De nous avoir choisi, de nous avoir aimé, d'avoir les yeux braqués sur nous. Merci de veiller sur nous, même dans nos détresses, même dans nos problèmes, quand nous nous sentons abandonnés. Tu es là, Seigneur, tu es là, mon Dieu, tu es là. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Au nom de Jésus. Le Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de ton inspiration. Agis maintenant. Le la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Le Christ Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous vivons longtemps le Jésus. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus, votre servante, Madame Pasteur Habiteur Makafu. Madame Pasteur Habiteur Makafu. Bienvenue dans l'émission Ma vie au service des autres. Yahweh Sova Wona, Iketinye Damkodovena, Nyabe Atsotona, Amebubuo. Ma vie au service des autres. Nyabe le Dotomna, Amebubuo. Je voudrais saluer tous les auditeurs de Light Radio. Mais dis-moi, Madame Light Radio, Dotono la Oka. Et spécialement, je salue Madame la directrice. Donc, radio y a petit pour la grande. Et je salue aussi les auditeurs de la radio fréquence 1. Les radio fréquence 1, bientôt dit non là au pata. Je salue spécialement Monsieur le directeur. Donc, Benard, directeur. Et je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ma vie au service des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma vie au service des autres. C'est une vie qui s'est consacré au bien pour le bien des autres. Une vie qui est prête à souffrir pour le bien de l'autre. Une vie qui est prête à encaisser des choses pour le bien des autres. Une vie consacrée à lutter pour le bien
de quelqu'un d'autre. Et là, bien aimé dans le Seigneur. On entend le Jésus, mais au début, ou bien à la fondation du monde, le qui a fait comme Jésus, Dieu était au service de l'humanité. Et il est jusqu'à présent. Dieu a créé les cieux et la terre. Il s'est donné cette tâche de créer les cieux, la terre, la mer. Quand il crée ceci, il dit non. Nous allons faire ceci. Que le sec paraisse. Que l'eau se regroupe quelque part. Que les herbes poussent. Qui est ceci, qui est cela. Qui est des animaux. Qui est des oiseaux. Qui est des reptiles. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que Dieu a créé. Il ne l'a pas créé pour lui-même. Il l'a créé pour quelqu'un. Cette personne, c'est l'homme. C'est toi. C'est moi. Dieu s'est donné la tâche de préparer un endroit pour l'homme. Sa vie est au service de l'humanité. Il pourvoit aux besoins de l'homme. Il nourrit l'homme. Même après le péché, quand Ève et Adam sont rentrés dans le péché, sont tombés dans le péché, Dieu était toujours à l'œuvre. Il est venu, il a tué un agneau, il leur a cousu des habits pour les couvrir, même dans leur péché. Dieu était à leur service. Et c'est en ce moment qu'il a prévu, il a fait la promesse d'un salut. Le salut de l'humanité. Et il a dit qu'il enverrait la postérité de la femme. Et cette postérité-là va écraser la tête du serpent. Et le serpent va lui mordre le talon. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père. Et cette volonté, c'est de servir les hommes. C'est d'être au service des hommes. Jésus n'était pas venu servir les animaux. Mais il a plutôt mis les animaux au service des hommes. Tout ce que Dieu a créé, il les a créés pour qu'ils soient au service de l'homme. Voyez la place privilégiée que Dieu a donnée à l'homme. En position du prince et de princesse. Quelqu'un travaille pour notre bien. Et Jésus a dit, si vous m'appartenez, par l'amour que vous allez dégager les uns pour les autres, vous aurez cette preuve-là que vous m'aimez. Vous aurez cette preuve là que vous vivez, je vis en vous. L'amour de Christ. Christ. Si tu as l'amour de Christ en toi, Christ. Tu vas ressembler à ce Christ là. Tu vas ressembler à ce Dieu là. Qui est en toi. Je viens de te le dire. Que Dieu est au service des hommes. Alors si Dieu est en toi, toi aussi tu seras au service des autres. Tu vas agir comme Dieu au service des autres. Il y a des services que nous rendons qui sont les services naturels. Par exemple, quelqu'un qui met au monde des enfants, il travaille pour le bien de ses enfants. Il acquiert la richesse pour ses enfants. Il se bat jour et nuit. Quand tu vas lui poser la question, pourquoi tu te bats tant?
Il va dire que c'est pour mes enfants. Pour la nourriture de mes enfants. La couverture de mes enfants. La scolarité de mes enfants. C'est naturel. Pour une mère. Pour un père. Ça vient naturellement. Mais il y a des aides. Qui ne sont pas naturels. Il y a des aides qui ne sont pas naturels. C'est de ces aides-là que je veux vous parler. Les païens prennent soin de leurs enfants. Trop souvent là, les bouddhistes prennent soin de leurs enfants. Les chrétiens prennent soin de leurs enfants. Christ où se trouve la particularité? Où est-ce qu'on a la différence? Bien-aimé, il y a une différence. Et nous allons nous servir de l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Pour illustrer cette pensée, nous allons lire dans Esther chapitre 2. Esther chapitre 2 à partir du verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, quel sous avait fait toi mère? Un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr. Yuda tore ibe kwenye Mardoché inye yaro vilale. Fils de Shimei. Ikenye Shimei bevi. Fils de Kis. Ikenye Kis bevi. Homme de Benjamin. Iketo Benjamin bevi. Il avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia. Roi de Juda. Par Nabucadnezar, roi de Babylone. Ton Nabucadnezar, Babylone, a fait. Le verset 7. Il élevait Hadassa qui est Esther. Que oko Hadassa, il y a Esther. Il élevait. Que eni, ekpo, eni, Hadassa, il y a Esther. Il est de son oncle. Il kenye nine abevi. Car il n'avait ni père ni mère. Elle avait là un tombé les cieux et un nommé les cieux. Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Quand elle tombait là, elle était tombée, elle coco. Et à la mort de son père et de sa mère, laisse-moi toi plein noir au quoi. Mardoché l'avait adoptée pour fille. Mardoché croit aux Zouvia. Bien aimé dans le Seigneur. Dans longtemps le Yesu. Vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Il y a pas qu'à me dire si Esther vient d'y aller. C'est une orpheline. Et toi vis où y'est? Son père est mort. Et toi où? Sa mère est morte. Et nous à quoi? Ça veut dire que. Et comme il y avait là. Ceux qui devaient naturellement prendre soin de lui. Sans réfléchir par deux fois, puisque ce serait très naturel, ces personnes-là sont mortes. Maintenant, il y a en quelqu'un Dieu. Il y a dans le cœur de quelqu'un Dieu. Et cette personne-là a manifesté quelque chose. Cette personne-là a agi comme Dieu. Son nom c'est Mardoché. La Bible dit qu'ils étaient déportés à Suse. Dans la capitale, Suse. Le Suse avait fait joie, mais. Et quand il y allait. Et il m'a. Il était accompagné d'une jeune fille. Et plein de tubivide, le bon sang. Elle lui-même a adopté. La Bible ne dit pas. Bible avec blâme. Que Mardoché était stérile. Ben Mardoché est chico. La Bible n'a pas dit qu'il n'avait pas de femme. Bible avec blâme Mardoché a stromé les cieux. Mardoché avec sa femme. Mardoché est plein strom. Il avait sa femme. Estron aussi. Il avait ses enfants. Et vieux aussi. Il avait tout. Nous et il les supportait tous. Mais il a encore pris quelqu'un qui ne fait pas partie de son plan. Qui ne fait pas partie de sa profession naturelle. Quelqu'un d'autre. La fille de son oncle. La fille de son oncle. La Bible n'a pas précisé si c'est l'oncle paternel ou bien c'est l'oncle maternel. Mais lui, quand il a vu que les parents ne sont pas là, il a pris en charge. Il l'a aimé.
Et il y a beaucoup de caractéristiques. Et il Jesse Vovovole. Qui ont montré que. Yo de fiobe. Mardoché a aimé Esther plus que ses propres enfants. Madoka il l'a estato ou yen to viao. Esther est devenue reine. Esther va Zufia. Par quel moyen elle est devenue reine? Monukadie Otoba Zufia. C'est parce que quelqu'un a travaillé à ça. Amede woto to estantie. Avant que quelqu'un ne soit élevé. Afio ato amede de chia. Il faut que quelqu'un d'autre travaille à ça. Amede na woto to nti. Dieu subvient à nos besoins, c'est vrai. Maou le mi avec a yao. Mais Dieu ne va pas descendre. Dake maou tombe le jadiba. Pour venir le faire. Ava wel. Il va passer par un homme. Ele ja to amedi. Il va rentrer dans le cœur d'un homme. Ele ja gede amede me. Le cœur dans lequel il a trouvé place. Et il vient et il pose des actes. Esther devait devenir reine. Mais les parents qui devaient l'amener à le devenir reine. Yo a presta bena wa ba zufia sura ti la o me gala gbe. Si ta vie est au service des autres. Ne be wa gbele do som na me bubu wa. Tu vas amener des destins à leur apogée. Na plo a me gede o be tsome a yide o be. Des destins à leur apogée. La plo a me gede o be tsome a yide o be ya yira. Dans cette maison. La fe do me. Là vous arrivez. Ne piva do a. Celui qui n'est pas fils. Celui qui n'est pas fille. Tu sais en même temps que celui-là. C'est lui l'intrus. Il n'est pas fils de la maison. Il n'est pas fille de la maison. Mais si nous remarquons dans la vie de Mardoché, Esther n'était pas une fille débraillée. Parce que quand le concours est arrivé, pour que le roi choisisse les belles filles pour pouvoir épouser, il faut choisir les filles qui ont de la bonne pointe. Au-delà de ça, nous vivons le bien habillé. On a vu Esther. Bien habillé. Comme une princesse. On l'a vu. Avoir de la bonne pointe. Ce n'est pas une fille chétive. Chétive qui ne trouve pas à manger. Elle mange à sa faim. Elle nous doume. Elle se sent comme chez ses parents. Elle est quoi? Elle est à l'aise. Elle est faux. Et Mardoché pense à son avenir. Et Mardoché est bouna tamé tombe tombe. Il pense à lycée à un rang. Et bouna tamé mais y a quoi de là de près? Très souvent les enfants que nous avons à notre charge. Et j'ai bébé yo le mien avec quoi policier? Ceux qui habitent avec nous. Amé yo les premiers la première. Que nous supportons. Yo dis bien le papa ma. Nous avons des plans pour la vie de nos enfants. Et de nous, mais celui qui est auprès de nous, on n'a aucun plan pour lui. Là, tu ne ressembles pas à Christ. Si on vient dans ta maison, et on peut reconnaître à vue d'œil que celui-ci n'est pas fils, celui-ci est esclave et autre, ça, tu ne ressembles pas à Dieu. Tu ne ressembles pas à Jésus. Mais l'amour de Jésus. Jésus ben veut qu'on traite les gens sur les mêmes pieds d'égalité. Et si tu le fais pour quelqu'un d'autre qui n'est pas ton propre enfant. C'est là où on voit la différence. C'est là où tu sors de la dune. Naturel et tu rentres dans le surnaturel. Afima est là, ton col est balomé là, il a bon pomme. Ça veut dire que ce n'est pas facile de travailler pour le bien de l'autre. Et comme il y a un temps, ton âme vous boit, mais bon. Même dans nos entreprises. Le mien est d'or. Quand quelqu'un travaille dans une entreprise. Non, mais il est dans les dents. Et il sait que l'entreprise ne lui appartient pas. Il y a un temps, mais il est d'or. Et lui, il est qu'un simple ouvrier. Il y a de quoi croyer. À la fin du mois, on va lui payer. Mais où est-il quoi là, tu fais la manière dont il travaille là, c'est différent. Allez, il y a un temps. Quand ça lui appartient aussi. Il y a un temps. La manière dont il travaille, c'est différent. Allez, il y a un temps. Il est beaucoup plus chaud. Et tu le mets où? Il est beaucoup plus précis. Et le doigt au milieu. Il est beaucoup plus attaché. Et le dessus. Mais de l'autre côté, voilà, celui qui n'est pas
pas le propriétaire. Il est indifférent. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas indifférent. Tu n'es pas indifférent vis-à-vis de ce qui appartient à l'autre. Là, tu fais la différence. Là, tu marques la différence. Là, tu ressembles à Dieu. Mardoché a ressemblé à Dieu. Il a pris la place de Dieu. Et il a élevé Esther. Je voudrais vous dire quelque chose. Quand vous investissez dans la vie de quelqu'un, la personne devient votre porteur de grâce. Des fois, on ne le sait pas. Mardoché ne savait pas ce que ça va donner. Son souci, c'est de présenter quelqu'un qui soit hautement placé dans la société. Il pouvait présenter ses propres enfants. Il va regarder ses enfants. Esther, toi tu n'es pas mon enfant. Je veux que mon propre enfant puisse aller là-bas. Il n'a pas présenté ses enfants. Parce que qu'est-ce qu'il voit? Celui qui mérite ce poste, c'est Esther. C'est ce que lui il voit. Il ne voit pas en Esther qu'elle est un étranger. Il le voit comme son propre enfant. Et il est en position de vérité. Il veut voir la vérité en face. Même si j'aurais voulu que mes enfants soient là-bas, mes enfants ne sont pas plus intelligents que Esther. Ils ne sont pas plus belles que Esther. C'est Esther qui mérite ça. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Mardoché a fait. Il n'a pas essayé d'obscurcir le décès d'Esther. Et il a laissé. Il a laissé aller. Des fois, c'est très difficile. Vous me suivez tout à l'heure. Dans ta maison, il y a quelqu'un. Les enfants sont là. Il y a même des enfants qui sont plus intelligents. Vous, tu sais, il est plus intelligent que tes propres enfants. Tu peux l'inscrire à la médecine. La thème la médecine. Mais tu vas dire non. Valo. Ce n'est pas mon propre enfant. Je ne peux pas dépenser comme ça pour l'amener là-bas. Le bac va apprendre un métier. Ne crois pas que quoi avec platoné. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, dans le Yesu. Je viens attirer notre attention sur quelque chose. Merveilleuse. Des choses de très merveilleuses. Il y a des choses que nous ignorons. Nous ignorons l'avenir. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Les enfants que nous avons élevés. Certains deviennent notre porteur de grâce. À cause d'Esther, parce qu'il a laissé aller son destin, on a élevé Mardoché. Il est devenu notable du roi sur une terre étrangère. Ce qui est pratiquement impossible. À travers Esther, la vie de Mardoché a été sauvée. La vie, ça, famille a été sauvée. Toute la race juive était sauvée à cause de Esther. Dieu a mis des gens à notre disposition qui portent un destin. Des gens qui portent en eux notre solution. Ta solution est en lui. Mais Dieu veut que toi-même tu fouilles. Dieu veut que tu travailles à ça. Même si tu ne le vois pas, tu travailles à ça.
ça. Un jour, Bereka, ton enfant en mangera le fruit. Et puis, oh, je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur. Ma bro, pasteur ben ti, le pasteur était tellement juste. Pasteur, il n'aimait pas vivre la fraude. Mais a la et il a eu des enfants. Et, oh, à sa mort, et ben, kou, me, be, il n'a rien laissé. Mais ben, na, le, ke, comme dario, héritage. Avec, que, si, non, ses enfants étaient fâchés. Et, via, oh, bichi, parce que toute la vie du pasteur, elle avait le pasteur, ma, be, me, il kata, a investi dans la vie des autres. Donc, oh, madame, vous pouvez supporter les femmes, les orphelins. Et, pas, tu, bien, aussi, oh, il a construit pour certaines personnes. Et, tu, a, ben, na, me, do, il a toujours soutenu sur le plan spirituel, physique, matériel. Le, bon, mais, le, ti, là, mais, le, canyon, bon, mais, et, ton, et il n'a rien laissé pour sa propre famille. Voyez, tombe pour mes amis, blé, dans les pays. Ses enfants le maudissaient. Et dit, on a fait pour me dire. Nous regrettons que tu sois notre papa. Oh, ben, famille, tombe, oui, mi, attends. Nous regrettons amèrement que tu sois notre papa. Et le, mi, tombe, oui, mi, attends, oui, chimi. Quel genre de père toi tu es? Et toi, quand tu me le dis, tu ne nous as rien laissé. Mais, blé, dans les pays, nous allons devenir. Nous, Camille, atroce. Tu es en train de mourir maintenant. Et le coup, vraiment. Et quel est notre héritage? J'avais dominé le Nyeka. Le père lui a dit, je voulais laisser un héritage. Mais d'assis que si nous dans la connaissance du Christ. Et y a Yesu, l'amour du Christ. Christ au père là. C'est ce que je vous ai laissé. Et y a mes blédés mi encore. Le papa est mort. Et y a des ntwaku. Et le plus âgé. Et y a Titi Tora. Il cherchait un travail. Un autre type. Il a terminé sa formation. Et pas un bedeau. Il a cherché du travail enfin. Et dit Dodo. Il s'est promené partout. Et dit ça. Pendant des années. Le peuple bodo. Il n'a pas trouvé d'emploi. Mais pas tant. Un jour, Bereka, il est allé dans un lieu de travail pour chercher du travail. Et le directeur l'a appelé. Et quand il s'est présenté, et le nom de famille disait quelque chose au directeur. Et il lui a posé la question. Est-ce que vous connaissez certains pasteurs du même nom? Et je suis pas sûr, il y en avait le cœur. Et il dit, oui, c'est mon papa. Eh bien, Tonye. Il dit, ah bon? Eh bien, ah bon? C'est ton père. Et toi, oui. Depuis que je suis sur la terre, toi, il m'a dit, bah, je n'ai jamais vu un quelqu'un comme ça. Ne me pas, mais des nénés avec toi. Un homme juste. Ah, mais tchotchoué. Plein de miséricorde. Et que me nous blâme, si quoi, moi, je suis ici aujourd'hui. Mais il m'a dit, ah, mais le te paye, eh bien. Grâce à ton père. Et toi, ouais. Considère que tu as déjà ton emploi. Tu as combien de pas toi? Et automatiquement, il est pas cassé, le jour là, on l'a engagé. Mais maintenant, ouais. Avec un bon salaire. Le fait une nuit. Et quand il est revenu à la maison, et il est trop bon à faire. Il dit ah. Et ben ah. Papa a vraiment investi. Oh papa, et pas nous d'amour. Il a laissé l'héritage. Et d'accord, sinon de quel est l'héritage que le père a laissé? Dominique ou Kayeu à toi d'Arenao. Il a investi dans la vie de quelqu'un en qui se trouvait sa solution. Lui-même, il n'en a pas bénéficié. Mais ses enfants en ont bénéficié. Ses enfants en ont bénéficié. Et grâce à cet homme, toute la famille était engagée et la famille a travaillé. Pour me accorder là ou pas. Et ils étaient devenus très riches. Voilà l'héritage dont je veux te parler. Ma vie au service des autres. Que ta vie soit au service des autres. Depuis que tu travailles. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais et qui donne et des privilèges aux autres. Commence par y réfléchir. Et commence par investir. C'est bon d'emmagasiner de l'argent pour acheter un terrain, construire une maison, c'est bon. Investir dans la vie de tes enfants, c'est bon. Mais investir dans la vie d'un orphelin. Investir dans la vie d'une veuve. C'est là la particularité. C'est en ça que tu es différent. C'est en ça que tu es différent. Amener quelqu'un à l'étape où en temps normal il ne pouvait pas aller. Amener quelqu'un à quelque part où jamais
qui ne pouvait aller. La croix me a donné un peu de ikeyento alors le nom nommé Anoua Matéyo. C'est ça la différence. C'est en ce moment qu'on parle là de la différence. Comment me voit pour nous couler vous bien aimé dans le Seigneur. Non longtemps les Yeshoué. Ma vie au service des autres. N'y a que les dents sont dans mes bouches. Que ma vie soit au service des autres. Quoi que les dents sont dans mes bouches. Je me rappelle quand on était enfant. Mais donc quoi il vient de vie mère. Ma maman a élevé un enfant qui ne lui appartient pas. Et non il revient avec il que mes nietos. C'est l'enfant de mon père. Et depuis l'âge de 1 an et demi. Et ma maman l'a élevé. Et la manière dont ma maman se comportait envers l'enfant. Nous énervait nous les enfants. Et nous avons constaté. Même si on doit distribuer quelque chose qui n'est pas beaucoup. Ma maman préfère donner tout à la fille là. Et nous serons laissés pour compte. Si on doit acheter quelque chose, c'est à elle on achète premièrement. Ça nous énerve. Parce que nous savons que ce n'est pas l'enfant de notre mère. Et des fois nous nous cachons pour l'insulter. Si tu insultes maman, prends ça, tu es fini. Mais des fois on se cache. On dit tu n'as pas la vie de notre maman. Va chercher ta maman. Il n'avait dit non. Va chercher ta maman. Il n'avait dit non. On est fâché. On est énervé. Il est tonado. Parce que selon nous, le miau quoi. C'est on doit prendre soin de nous plus que elle. Mais maman en prenait soin plus que nous. Mais quand nous avons grandi, quand maman était sur ton lit, maladie, qui devait l'amener à la mort. À ce moment, moi je suis dans un fauteuil roulant. Je n'étais pas dans le fauteuil roulant. Mais maintenant je suis dans le fauteuil roulant. Je peux peut-être envoyer de l'argent à ma maman. Mais je ne peux pas la porter. Je ne peux pas la laver. Tous ces services-là, la fille qu'elle a élevée, non, oublie. C'est elle qui était là. Et il va loin. À prendre soin d'elle. Et il va combat. Au four et au moulin. Le nous ce que nous n'avons pas pu faire. Nous y avons mis où. Celle que maman a élevée comme son propre enfant. Amen. Que maman n'y a non quoi dire avec toi. Elle qui a pris soin d'elle comme cela se doit. Et il va le bénir avant les jours. Tous les jours. Bessiabe. Tous les jours. Bessiabe. Jusqu'à sa mort. Kaka. Et quand je réfléchissais à ça. Et il me non tu bouma. Je dis mais qu'est-ce qu'on avait fait là? Si elle n'était pas là, qu'est-ce que nous allions devenir? Qui allait s'occuper de notre maman? Mais qu'elle va pas bien au bord. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tout le moissonnera. Tout le moissonnera. Bien aimé dans le Seigneur, mon cœur est contre moi. Je suis juste venu me dire que ma vie doit être au service des autres. Même si c'est difficile à faire, fais-le pour marquer la différence. Parce que tu es le fils de Dieu. Dieu est en toi. On ne voit pas Dieu. Mais quand vous êtes en activité, on peut voir littéralement Dieu en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre roi. Nous rendons grâce. Merci pour cette occasion. Priez pour tous ceux qui me suivent. Donne-leur ce cœur-là. Qui se met au service des autres. Un cœur qui te ressemble. Qui agit comme toi, qui parle comme toi, qui investit dans la vie des autres. Et on appelle la gloire de Dieu. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, vous venez d'écouter, de regarder votre servante, Madame Pasteur Habitant Makafu. Yes, eh, Madame Pasteur Habitant Makafu. Venant de la Fondation Makafu. Bientôt Fondation Makafu. Au centre de prière piscine de guérison. Le Gédora Payo d'encore dit piscine de guérison. Nous sommes plus dans le social. Miel le domino, ben dans ma page. Et pour tout contact. Et il est bien à Kerem Yatia. 98. Yomi le 98. D'abord, vous faites d'abord l'indicatif du Togo. A pour Togo, ben, Jessido Nomba. 00228. 98 75 32 que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.